Non mais oh. Oh là là. Non mais c'est bon, c'est bon. Chut, chut. Y a pas mieux que honnête. Y a pas mieux que honnête. Déjà là, tu sais qu'il y a un problème. Aïe 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 aïe. Bah refus de priorité. Oh, descend de la bagnole! L7C Fox d'ailleurs, n'hésitez pas à le follow sur Twitch également. C'est vrai, il est sur Twitch. Non, non. Tu dis des bêtises, lui. Et Nico, il dit que des conneries depuis tout à l'heure. Ah bon, ça va. Ah, vous reprenez YouTube du coup? Ah oui, tu l'avais dit. Salut Miss, au fait, hein. Elle arrive, elle est pas là encore. D'accord. Lui dire, c'est parce qu'il est là. Ah, mais oh. Ah, il a entendu. My goodness, tu prends la mission de Sepp, parce que si ouais. Tu prends au-dessus, ça va nous porter la poisse. Est-ce que tu fais référence à moi, là? Pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. J'ai eu l'oreille qui a titillé. Titillé le tympan. Ça m'a titillé le tympan. T'as, j'ai vraiment envie de refaire de la croche-décroche, hein. Ah bah c'est pépouze hein. Je suis un pro de l'attelage hein. Bon je fais tout à l'envers avec les coussins d'air mais c'est pas grave. Bon bah du coup on est plus au niveau des télésièges. Mais j'espère que ça vous dérange pas parce que de toute façon il aurait juste fallu tout redescendre alors bon. Ah oui c'est vrai que c'était un petit détour pour la vue quoi. Exactement. Et on a pu faire notre photo, notre cinématique, on a pu même aller sur le pont. Et maintenant on va avoir une petite route sympa. Bonsoir bah écoute... tout le monde. Ah bah salut, bonsoir, hein, salut hein. Ah salut hein. Ça va Miss? Oui ça va, mais c'est que les filles on a toujours des choses à faire alors... Oula. Ah bah oui il faut se poupouner hein. Non pas du tout non, c'est pas ça. Bon bah alors tu vas Fox? Oui je suis là, je suis derrière vous, je vous attends. Ah ok bah si tout le monde s'attend c'est super. C'est impeccable. Bon, j'y vais, j'ai compris. Allez, c'est parti. C'est le plus sérieux qui passe devant. Oui. Ah oui. Je verrai pas vos conneries comme ça. C'est vrai que je me suis mis derrière. Bon, alors j'aimerais préciser pour tous les abonnés, ceux qui font partie des transports L7C Family. Alors déjà, si vous faites pas partie des transports L7C Family, n'hésitez pas à postuler. Est-ce que les recrutements sont ouverts ou pas? Non. Ah mince. Bon ben... Eh ben alors attends, attends, on peut juste préciser que on a ouvert une agence intérim TLF où oh. Dans notre Discord, les gens peuvent postuler s'ils veulent. D'accord. Ah tu suis. Ah c'est pas... C'est pas mal, mais est-ce que du coup ça veut dire qu'ils sont plus payés que les chauffeurs salariés? Non. Non ? Eh ben ça ne sert à rien, ne postulez pas alors en intérim. Non, mais est-ce que ceux qui postulent en intérim, ils peuvent faire l'événement que tu as proposé là ? Ah non, parce que le fait de postuler dans quand on a créé la petite agence dans le Discord, c'est en fait pour recueillir les personnes intéressées et si le staff donne le feu vert et on valide une candidature, il faudra que ça soit accepté après par Truxbook, ce qui va définir que la personne sera stagiaire. D'accord, j'ai tout compris. C'est que si vous voulez postuler, bah vous pouvez pas, mais si vous pouvez postuler, faites-le. Et si vous faites partie des transports L7C Family, sachez qu'il y a un événement qui s'appelle Road to 500 Grand Utopia. C'est ça? Non. C'est Let's Go 500 km on Grand Utopia. D'accord, ça s'appelle Let's Go Prends les trottoirs avec My Godness. Ouais, voilà. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Ah, j'ai pris aussi. Ouais, Road to 500 Grand Utopia. Sachez que vous pouvez participer à cet événement si vous faites partie de la TLF, bien évidemment. Oui. Et que il faut faire donc 500 km sur Grand Utopia. Ça me paraît évident, c'est le nom du concept. Et ça a été soigneusement inventé par L7C Fox et L7C Miss, c'est bien ça? Oui. Sur la map de Grand Utopia, donc de My Godness, qui est absolument devant nous avec son fessier. Et donc le but c'est de faire 500 km, sauf que en fait,
500 km sur Grand Utopia, c'est compliqué. Bon, mais il faut rouler, hein. Il faut pas avoir peur. On est des routiers ici, d'accord. Et sauf que. Pas te plaindre. En plus, non, mais je suis en train de vendre le truc. Attends. Ah je suis bon. Pas en train de me plaindre. Tu le vends. Eh ben, dis donc, pour le vendre. Attends, je suis un commercial, moi aussi, hein. Ah ouais. Je suis commercial de la TLF, moi. Alors, ah ouais. Donc, il faut faire 500 km, mais en plus de ça, il faut aussi faire donc les 2000 restants mensuels. Ça bouge pas. Et à la fin, vous gagnez. Une surprise. Mais une surprise. Le DLC de son choix. Le DLC de son choix. Mais du choix oui. De qui je... Mais de ton choix. Donc et... voilà, le DLC de votre choix. Donc et ça, c'est celui qui a tous les DLC. Ah oui, alors il fait là... comment celui qui a tous les DLC? Eh ben, c'est chouette ici quand même. Bien joué Seb. Voilà quoi. Un repas chez Fox et Miss, non? Oh, incroyable. Non mais. On veut gagner un DLC. Non mais c'est vrai que on fait ça, mais après. On y a pensé au fait que beaucoup ont certainement tous les DLC. Puis avec le temps, les DLC suivants, et en ce moment, il y avait eu des promos même d'ailleurs sur Steam pour les DLC. Donc mais là, malheureusement, la personne participe, mais sans rien en contrepartie. Quoi. Bon. Oh, ce sera à voir, à voir. Ce sera à voir. Maintenant, je pense que je peux le dire. Tu m'autorises, Fox? Ah ben, dis ce que tu veux. En fait, j'ai l'honneur. Moi, ce qui me fait plaisir, et je te remercie encore, Fox, c'est que sur ma chaîne, j'ai toujours les exclus. Et du coup, ceux qui vont participer à cet événement seront donc sur une liste. Et vous serez donc invités à une rencontre abonnée sur Bordeaux avec Fox et Miss. Et oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Coupe ça au montage. Il a senti pas venir la grosse connerie quand même. Non mais bien sûr, mais il a mis déjà 10 ans pour annoncer le truc. Eh oui. Hein, alors que déjà, ce qui m'étonne, c'est que tu mettes autant de temps pour uniquement les membres de la TLF qui... où déjà tout le monde est au courant. Non, il faut expliquer parce que moi je reçois beaucoup de messages privés qui me demandent bah, quand est-ce que déjà vous revenez sur YouTube, donc moi je leur ai dit la semaine prochaine. Oui, oui, voilà. Hier. Et beaucoup me demandent voilà comment je fais pour rejoindre l'entreprise de la TLF. Il y en a beaucoup qui veulent rejoindre, mais j'avais pas pensé à l'intérim parce que parce qu'en fait je savais pas que vous aviez une boîte d'intérim en fait. Tu ne lis pas, tu n'écoutes pas. Oui, hein? Oui. Non mais dis pas oui parce que tu vas prendre la lourde. Et tu payes toi. Et on mettra un intérim. Et tu vas prendre la lourde et on va mettre un intérim. Bah, si je suis plus payé. Ah bah non, vous aviez dit non. Eh bah non. Ah c'est con. Non mais le concept c'est qu'on a fermé voilà Truxbook de la TLF. Donc ça évite de mettre une candidature pour postuler puisque si on prend personne, bien sûr, on va les refuser. Alors plutôt que refuser. D'accord. Donc plutôt que refuser à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a refusé pas mal, on a dit on ferme. D'accord. Mais par contre, on avait quand même des personnes qui nous envoyaient des MP, aussi bien au niveau du staff qu'à moi, et ça devenait vraiment beaucoup, beaucoup. Donc on a décidé d'ouvrir l'intérim TLF, l'agence, et ça permet aux personnes intéressées de mettre un message ou ce qu'ils veulent, pas spécialement une candidature, comme quoi ils sont intéressés de rejoindre la TLF. Et là, à partir de ce moment-là, nous, s'il y en a un qui part, si on décide d'en recruter quelques-uns, eh bien, on regarde dans l'agence TLF et là, on les recontacte en MP s'ils sont intéressés et puis on les prend. Vous avez entendu, messieurs, dames, en fait, les candidatures sont bel et bien ouvertes. Impeccable. Bon. Allez-y. Et je te signale que, et ce qui est bien, et on peut te remercier d'ailleurs, la TLF peut te remercier, parce qu'on était un certain nombre, et quand t'as fait ta fameuse vidéo, que t'es arrivé au transport L7C Family, on est passé à 30 direct. Ah ouais. Bon, bah c'est bien. Non, mais c'est très bien, parce qu'en plus, on a recruté que du beau monde, alors. Ah. Eh ben, c'est pas fini.
c'est un compliment parce que tu fais partie du beau monde maintenant. Oh, t'as vu, j'ai même pas pensé à ça. Ça, ça fait plaisir. Mais toi, tu je pense que Miss en pense de même. Oui. Et moi, je fais pas d'accident. Hein. Moi non plus. Ah, merci. Ah, le petit ouais, au loin. Non mais même moi j'étais pas sûr en fait de ma connerie là hein. Et en tout cas ouais l'événement c'est cool. Et moi je vais essayer de faire au max. Après voilà, tout le monde ne roule pas pareil. Il y a des gens qui ne jouent pas tous les jours. Il y a des personnes qui jouent que par le plaisir et les week-ends et tout. Donc c'est sûr que mais après on est obligé. Il y a des gens qui roulent en vrai et qui roulent en jeu aussi. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que on peut pas faire cas par cas. Donc on a fait. C'est ça. Parce que mettre que 100 km ou 200 km. Non, là, t'es ruiné à la fin. Alors c'est vrai que la condition est un peu lourde puisqu'il faut faire les 500 km sur Grand Utopia qui est à l'échelle 1-1. Donc c'est pas rien. Et comme notre objectif est 2500 km, mais il reste les 2000 km à faire comme les personnes font d'habitude. Alors que Nico, ça tu ne le sais pas, mais il y en a déjà qui ont parlé qui feraient les 2500 km sur GU. Hein. Ah ben alors wow. ça je qui le prouve hein. Ah oui, non mais bien sûr, mais après c'est des ouf, après hein. Ah ben après voilà, après chacun fait comme il veut. Il y en a veut, qui hein. roulent pas beaucoup non plus aussi. Il y en a qui roulent pas beaucoup, voilà, mais qui seraient intéressés de participer. Uh-huh. Ah, c'est pour toi que tu dis ça. C'est vrai ? C'était pour toi ? Excellent. Si, c'est pour toi. Ouais, j'ai compris le message. Excellent. Ben ouais, en tout cas, belle initiative. Donc, les recrutements, vous l'aurez compris, n'hésitez pas. Vous avez tout le mois. Oh là là. Toujours un qu'est-ce plaisir d'aider la TLF. Mais non, mais moi je. On est là quoi. Après, on recrute qui on veut. Enfin, qui. Oula. Qui proposera. Il n'y a pas de souci. Hein. Il est bizarre le patron là. Non, mais je veux dire, on recrute. Je sais pas moi, si My Goodness. si un jour Seb, j'en sais rien moi. Ça sera avec plaisir. Hein. Un grand plaisir. Après, ce serait même avec un grand Utopia. Ah oui. Oh, elle était belle celle-là. Comme c'est mignon. Merci Fox. Merci. Ah non, mais il y a même pas à dire merci. Il faut pas hésiter si un jour comme ça, hein, même pour essayer, pour voir ce que ça donne. Hein. Après, je sais Seb que tu as ton entreprise. Oui, mais moi ça me gênerait pas de faire les deux, hein, surtout que mon entreprise elle est juste. Je ne gère rien du tout. Je prends pas de chauffeur, de choses comme ça. J'ai pas. D'accord. Non, j'ai pas fait ça. C'était pour avoir mon petit truc dans le jeu quand je joue. Je suis content. Ah ben oui, mais tout à fait, oui. Ouais, ça fait un petit point la tâche, quoi. Ouais. Après, ouais, ça, ouais, ça. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Un transcantal, ça peut très bien être sous-traitant de. Ah bah oui, hein, y a des entreprises qui bossent pour d'autres. Hein, ah ouais. Ah non, on l'a déjà fait. Avant que tu arrives, Nico, on avait deux personnes qui avaient une entreprise en jeu dans Grand Utopia. C'est ça. Mm-hmm. Enfin, qui l'ont toujours d'ailleurs. Mais par contre, on faisait de la sous-traitance. Donc, ils voilà. Roulaient pour notre Xbox, si tu préfères, pour l'entreprise TLF, mais sous leur couleur. Voilà. Mais ça on l'a eu fait. Hein. Très bien. Et puis j'ai fait mon entreprise et pour soutenir My Goodness aussi. Comme mais ça. Oui. Et oui. Ouais, c'est normal. Ah oui. C'est pour ça que ma proposition n'est pas tellement parce que tu as ton entreprise aussi physique sur oui. Grand Utopia. Mais oui. Tout à fait. Mais je prends note. Je mets ça dans un petit coin de ma tête. Si un jour, à l'occasion. Une petite sous-traitance et puis après voilà, il faut le voir comme avait dit Nico un peu dans ses premières vidéos de la TLF, mais ça te fait un petit objectif, voilà, de mais après bon, faut le vouloir aussi, tu vois, le petit objectif en jeu des 2500 km par mois. Mmh. Ah non, mais c'est intéressant au final. J'aime le principe est chouette. Et Seb, en plus, tu vois, je suis en train de penser à un truc. Si tu veux t'agrandir, tu vois. Je connais un dépôt
Ah ouais. Il est libre. En ah bordure ouais. de mer. Il y en a, il oh. a rien compris, il est pas ah là. D'accord, ah oui, d'accord. ça y est, il a compris. Ce serait pas un Krauter-Gersheim. Un Krauter-Gersheim, eh oui, exactement. Ah, il est pas vide, il est bien rempli. Hein. Il y a... Ah, mais c'est vrai que pour remplacer un chauffeur moyen, tu pourrais prendre un bon, quoi. Tu vois, mais il est sérieux. Non, mais on va quand même garder le mauvais mais et prendre le bon. Mais wesh. Eh, vous voulez pas qu'on s'arrête sur la place de parking et on dort? Ouais, on dort jusqu'à ce qu'il fasse jour. Place pour tout le monde. Bah, c'est le principe de dormir. Non. Enfin, pas dans le transport. Mais si tu fais de nuit, moi j'ai pas de prime parce qu'en plus en intérim, on a pas de prime. T'es pas en intérim, t'es stagiaire. T'es livreur, pardon. Stagiaire. Non, mais dans la vraie. Excuse. C'est un ouf. Comment je me fais vraiment pas respecter, moi. Mais non, mais là désolé, c'est moi qui me suis trompé. Ouais, ouais. T'as pas de place. Pas de la zone, je suis pas sûr de pouvoir dormir. Non, mais my goodness, on fait ça en mode RP, t'inquiète pas. Si t'as moyen de t'avancer encore, à moins que derrière ça rentre pas, ça rentre. T'as moyen de t'avancer encore un peu, my goodness. My goodness. My goodness. C'est la touche X, non? Bon, ah oui, c'est vrai. Non. Je disais, my goodness. on va faire ça en mode RP si t'as moyen de t'avancer, mais je crois que Seb a réussi à rentrer entre temps. Ouais, c'est bon, je suis rentré. Coupez vos moteurs et bonne nuit, les enfants, pas trop de bruit. Ah, mais à votre avis, ah, oups. Oui, d'accord. Merci, parce que bon, c'est laissez... comme... y a... Faut laisser les veilleuses au bord de la route comme ça, sinon on va se faire rentrer dedans. Par contre, c'est un moteur qui tourne encore, hein. Oups. C'est qui a besoin de chauffage là? Moi. C'était moi. Oh bah ça va, deux dans la couchette et pas besoin de chauffage. Bonne nuit. Bonne nuit. Hop. Ah, il est jour. Oh, le flash. Ah ouais. Et ben voilà. Ça va, vous avez bien dormi? Oui. Ah ouais, ça fait du bien. Impeccable. Ouais, je suis croissant. Ah ouais. Oui. Bon, je sais pas si on va passer dans un village là, mais ce serait pas mal. De toute façon, va falloir t'arrêter, my goodness, il a plus de gasoil. C'est vrai? Encore, ouais. Oh là là. Oh là là, le bus. Ah ouais, carrément. D'accord. Ah, voilà. C'est qui le patron? Non mais où? Oh là là. Non mais c'est bon. Chut. Ah faut pas. Et voyez pas. T'as vu? Hein? Non. Hein? Quoi? Moi? Non. Oui, t'as rien vu? Non. Ah, t'es gentil. Hein? Oui. Ah. Il a failli se retourner? Non, rien. Non, il a arrondi les trottoirs. Il a eu une merveilleuse trajectoire, parfaitement bien, parfaitement d'accord. Exécuté ce virage. Un professionnel. Voilà. Tout est dit. Oh putain. Non, j'ai toujours raison. Donc voilà. Ah d'accord. Merde, j'ai pas mis mes feux, je crois. Si. Ils si, sont allumés tes feux, Fox. Ah bon? Bah moi je les vois allumés en tout cas. Oui monsieur. Ça se voit pas sur le tableau de bord? Ben si. Là tu les avais éteints. Là ils sont éteints. Mais ils peuvent pas être éteints là. Ah non, ça y est, c'est bon. C'est bizarre ça. Waouh, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Fox il va arracher son bâcher là. Au moment où t'as dit ça, j'ai tourné la tête pour regarder ce qui était beau et vite je suis revenu sur la route. La magnifique remorque savoyarde. C'est vrai que les rochers ils sont prêts là quand même. Ouais. Oh, ils sont loin là. C'est à droite, enfin, les camions, my goodness, si jamais. Pardon, je regardais autre chose. C'est pas grave. Plus sur la police. Hein. Oh merde, je suis monté sur le trottoir, j'ai même pas vu. Voilà. Voilà.
Ah non, non. Non, 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 c'est faux, c'est juste un... Re... Ah si. Non, non, au départ, t'es monté sur le trottoir, oui, et oui. Après, c'est le passage pour... Tout à fait, tout à fait. Mais pourquoi il... Ah, ça y est. Ils sont longs, ces douaniers. C'est vrai que c'est long, les barrières. Ah là, ils ont pris plus de temps, comme vous êtes deux. Ah, c'est vrai. Chacun son tour. Allez. Surtout deux bordelais. Ah oui. Y'a pas mieux que... honnête. Y'a pas mieux que honnête. Déjà là, tu sais qu'il y a un problème. Ouais, ça sent le roussi là déjà. Hey, excusez-moi messieurs l'agent, y a pas mieux que honnête. C'est beau hein, t'as vu, West Balkan ça régale hein. Mais bon. Je crois que celle-là c'est une des seules que j'avais fait, mais dans l'autre sens, en montant je crois. D'accord, ah ok. C'est la seule que j'ai une des seules que j'ai découvertes. Donc t'es déjà passé par Bijelopolje. Ah c'est possible. Mais bon, je me rappelle pas trop des noms. Avec des prononciations, on sait pas trop comment on dit, nous on doit le dire. Donc. Et là on va à Skopje. Je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais... Oh si, oui. Si, si. Moi vous savez, je suis prof de géographie. Hein. Ah ouais. Ah et de langue aussi. Oh bah avec ma langue hein. Ah, il en dit des conneries, hein. On va pas le réconforter non plus, hein. Seb, il est devenu vilain. Ouais, t'as vu. Dark Seb, quoi. Allez, prenez bien large, les enfants. C'est ce qu'on dit, hein. Qui aime bien, châtie bien. Petit con. Ouais, ouais. Ça, c'est le mot que je pense. Mais Dark Miss, Dark Seb... Tout à l'heure, je lui ai dit, on avait même pas, j'étais même pas assis et que j'avais même pas allumé OBS et tout le machin. Elle commençait à me dire un truc. J'ai dit, tu vas pas commencer à te prendre la tête avec Nico. Quoi? Non, mais pas se prendre la tête, mais à se taquiner avec Nico parce qu'elle me disait. Mais non, parce qu'il était en train de se peigner. Je lui ai dit, Nico, tu crois qu'il est toujours bien peigné s'il te dit quelque chose? Quoi? T'étais en train de te peigner? Mais non, c'est pas ça, je sortais de la douche. Ah oui, oui, c'est quand je suis sorti de la douche. Oui, il avait des épis. Et que tu m'as dit... Il avait des épis, alors. Ah oui, d'accord. Et c'est là que tu m'as dit, tu crois que Nico, il se peigne ou je sais pas quoi? C'est ça que tu m'as dit? Ouais, j'ai dit, tu crois qu'il est toujours bien payé? Peigné, Nico, s'il te dit quelque chose, j'ai dit... Alors, ni l'un ni l'autre, je suis pas bien payé, je suis pas bien peigné. Ça, c'est clair. Mais voilà, on est habitué, donc... Mais là... Si il te dit quelque chose, je vais lui dire. C'est vrai que... Ça va pas trop. C'est souvent le freestyle capillaire chez Nico. Oui. Non mais les ça, gars, mais j'ai rien demandé là. Non mais c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant du tout. Hein. C'est un fait. C'est chacun son style. Hein. Non mais moi si j'avais des cheveux, tu vois, je serais pareil. Ah pardon. Oh putain. Oh le truc de vous avez vu c'est ma fête, j'ai rien demandé, c'est ma fête. Vu que je suis chauve, voilà, je passe plaisir. D'accord. Mais c'est une chance peut-être aussi parce que c'est plus rapide. Ah oui, ah, moi ça. Je perds pas de temps, mais bon, j'ai la barbe alors c'est chiant aussi. Ah ouais. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Ah bah, bon Nico. Bah refus de priorité. Ah ouais, ouais. Bah refus de priorité. Donc constat et je vais aller lui en... Oh, descends de la bagnole. C'est honteux. Recule. Tu vois pas que j'ai un smi là? Ah ça y est, il t'a entendu. Mais lui il a dit blue. Bouge pas, bouge pas. Ah bah et vu viens. Les roues arrière. Ah, les roues elles sont dans la route. Ah, il a le train arrière dans le sol. Ah ouais. Bon allez, viens, oui, on se met sur le côté là. On va faire un constat. Ah bah voilà, viens. Oh, il y a turbo. Et bah voilà, j'arrive pile poil où ça pète. Bravo. Ouais, tu m'as rentré dedans turbo avec ta vieille caisse rouge là. Turbo en Dacia. Je vous permets un peu de critiquer ma Dacia, non mais dis donc. Ça va ou quoi? Ça va être ça.
Impeccable, impeccable. Voilà, bah, comme promis, je passe vous faire un petit coucou. Impeccable. Voilà, voilà, vous êtes en train de rouler alors du coup, c'est carnage. C'est, bah, c'est le carnage. Mais Nico, comme d'hab. Hein. Mais je me suis pris un refus de priorité, t'es arrivé pile au bon moment quoi. Impeccable, pile poil au constat, impeccable. C'est ça, tu peux rassurer les viewers pour dire que tu nous fais pas la gueule. Hein. Voilà, donc bonjour les viewers. Alors je vous assure que je ne leur fais pas la gueule, au contraire, on rigole bien en off. Non, c'est simplement c'est que voilà, bah, c'est manque de temps, manque de. Voilà, mais bon, je passe quand même faire un petit coucou, c'est cool. Ça fait plaisir. Grave plaisir. Ouais. Vous avez tous passé une bonne semaine ? Ouais, impeccable. Écoute, ça va, hein. Ouais. Voilà, alors on a qui ? On a My Goodness. Coco. On a Seb. Salut, salut ! Monsieur L7C Fox. Salut ! Salut ! Et Miss. Eh oui. Nico. Eh oui. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Alors vous roulez où ? Eh mais c'est un reporter BFM. Hein. Attends, alors je suis en direct sérieux. Actuellement. Alors nous voici en direct actuellement avec la M Company. Excellent. En intérim chez la TLF. Ouais, c'est ça. Ah, bah là on est, du côté de Bigelopolg et on va à Skopje. Ok, j'ai rien compris mais ok. Je vais mettre Google Maps et c'est bon. Bon de toute façon je verrai bien ça dans l'ardif. C'est ça, pas l'ardif problème. Du live, on est en direct sur la chaîne Twitch de L7C Fox d'ailleurs, n'hésitez pas à le follow sur Twitch également. C'est vrai, il est sur Twitch. Non mais Turbo, Nico il dit que des conneries depuis tout à l'heure. Ah bon, ça va. Bon, mais tu peux quand même aller te follow sur la chaîne hein, si tu veux Twitch. Mais du coup t'en as pas alors Fox et Miss, vous en avez pas de chaîne Twitch si? Si, il y en a une de fait mais il y a rien, il y aura rien. D'accord, ok ça marche. Ouais bah, les lives si la semaine prochaine ce sera que sur sa chaîne YouTube. D'accord, ok. Ah vous reprenez YouTube du coup? Ah oui, tu l'avais dit. Oh bah c'est Turbo, il Ah, Turbo, il fallait que je te dise quelque chose. Je savais pas si t'allais venir ce soir, mais tu me fais rire. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est vrai que on a fait connaissance depuis que t'as fait tes vidéos YouTube et oui. Tout. Et c'est très appréciable parce que je pense qu'on pense tous ici la même chose, qu'on est content que tu fasses partie d'être avec nous, quoi, tout simplement. Et moi, c'est un honneur. Et j'ai rigolé, je crois que c'est le week-end dernier, où je regardais la rediff du live de Yellow. Ouais. Et puis d'un seul coup, la petite star montante du petit écran YouTube qui débarque. Bah ouais, parce que j'étais sur le chat à Yellow, du coup. Oui, il me dit, ah bah si Turbo, si tu veux venir en vocal, viens, bon bah vas-y, go. Ouais, c'est bon ça. Turbo, il me fait penser, tu sais, la personne qu'on connaissait pas, et d'un seul coup, on le voit partout. Mais c'est ça. Mais c'est excellent. Mais c'est cool. C'est trop, c'est bien pour toi, d'ailleurs. Et, bah ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que... Mais alors, par contre... Quand t'es avec Yellow, le jour où je vais être, si je suis en live avec Yellow, je vais lui dire, mais regarde la rediff de M-Colo, parce que alors c'est pas du tout hein, c'est pas la même personne. C'est pas la même vedette. Non. Ouais, je reste un peu plus calme, parce que c'est vrai qu'il est, il est plus calme, et puis je vois qu'il fait vachement gaffe à, un peu à ce qu'il dit, ce qu'il... Oui, bien et, sûr. Il pèse, alors du coup j'essaye quand même de m'adapter par rapport à lui, quoi. Pas venir non, lui dire du mal sur le live. Mais tu sais, tu peux dire du mal, c'est pas, on filme pas là, on enregistre oui, pas. Oui, voilà, bien sûr, oui. Alors, autant le coup de Twitch et les lives YouTube, je pouvais le gober, mais là, les gars. Non. Mais c'est vrai que c'est vrai que je voulais te le dire parce que tu m'as fait rire quand je t'ai entendu parler. Alors, j'ai pas fini de regarder le live, hein, mais ça m'a fait rire parce que c'est deux personnages différents. Bon, je sais comment ouais, Yellow, il est beaucoup plus posé, beaucoup plus. Et mais c'est en fin de compte ce que je voulais te dire, c'est cool pour toi parce que comme ça ouais. Te fait un visu un peu partout et c'est cool. Bah ouais, non, puis bah c'est grâce à M-Colo et à Yellow sur aujourd'hui que j'en suis là quoi. Ils m'ont vraiment donné un gros coup de pouce quoi. Vraiment. Bah avec M-Colo, plaisir, ça régale. C'est... Et M-Colo c'est notre ami Nico.
Ah, je savais pas. Bonjour à tous, bienvenue à la compagnie, il est 16h. sérieusement, Nico, bravo pour ta vidéo de 16h. En tout cas, enfin, je t'avais déjà dit. Oui, merci. Et franchement, ouais, très touchante ta vidéo. Bah écoute, ça fait plaisir, merci. Et je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite et beaucoup de réussite pour ton projet pro. Bah écoute, merci, je referai la même vidéo pour les 20 ans. Ouais, si on est toujours tous là, ouais. Ça veut dire quoi? Ah mais parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve. Ah, c'est quoi sur strip de YouTube, on n'en sait rien. Ah, allez, oui. Rattrape-toi. Mais c'est même pas rattrapé. Il a enfoncé. Je me suis enfoncé. C'est comme dans SnowRunner, je me suis enlisé jusqu'au châssis, si tu veux faire. C'est comme ça. Aïe, bah, faut bien rigoler. Non mais c'est vrai quoi, sur le quand je suis avec Yellow, c'est vrai que je me pose plus quand même parce que j'essaye de m'adapter plus à son contenu, à ses viewers. Lui au moins c'est quelqu'un de propre. J'ai jamais dit ça. Nous on est sales. On est des fous. Non, mais disons que nous, c'est vraiment la grosse rigolade. La grosse beaufrie et gros porc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. T'es là pour rentrer dedans, quoi. Un peu c'est ton défouloir ici. Ouais, voilà. Non, puis du coup, à force de faire des trucs avec vous, c'est vrai que dans mes vidéos, je le ressens, ça me fait du bien parce que j'ose un peu plus me lâcher, un peu plus. Ah. C'est pas mal. Ça fait plaisir que tu déteignes. Ouais, je déteins, ça devient la folie. C'est un colo qui déteint, parce que on a roulé l'autre jour, et c'était d'un calme, et ouais. De petits points de vue, de choses, et là, quand la flèche est là, pas la même flèche. Chose, hein. La flèche. Quand la foudre arrive. Ah ouais. Ah ouais. C'est animé, là. C'est mignon. C'est ça que j'adore avec vous, c'est que franchement on peut vraiment bien rigoler, c'est vraiment sympa. Et comme je disais, bah LC2C Fox et toi, vous êtes les premiers que je suivais sur YouTube. Et c'est vous qui m'avez donné envie de jouer à ETS2 quoi. Donc vraiment cool. Bah merci, c'est sympa. C'est ouf. Ouais, je t'ai connu dès tes premières vidéos quand t'as roulé avec le camion américain, je me rappelle. Le premier avec camion américain, enfin j'ai tout suivi quoi. Après il y avait eu le Scania V8 Open Pipe sur la neige, t'avais fait il me semble. Oh oui j'en ai fait. Sous, enfin le principal c'est d'être à la neige quoi. Ouais. Ah voilà, et puis après. Non mais c'est bien pour toi. Et parce que ça te fait deux ambiances, mais Yellow est pas non plus, je veux dire, sérieux au point de. Il s'est vachement plaisanté et c'est ça qui est bien aussi parce que bon, c'est dommage qu'on n'arrive pas à se concorder, à s'accorder pour trouver un moment et faire quelque chose tous ensemble. C'est vrai que ce serait sympa, ouais. Mais bon, ça se fera un jour. Parce que c'est vrai que j'ai vu que Yellow faisait les lives tardivement, avec son taf, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il vienne faire un tour avec l'équipe là. Ouais, grave, ouais. Ça lui remontait un bon coup de moral là. Mais c'est vrai qu'on avait essayé de déjà, Turbo, avant que tu viennes, on avait essayé, je crois que c'est l'année dernière, il me semble, ou je sais plus. Et c'est vrai que ça fait un moment. Hein. Bah, ouais. C'était pas sur Grand Utopia que vous aviez essayé? Je sais plus, mais c'est vrai qu'avec les heures qu'avait Yellow, et après, c'est vrai qu'on s'est plus contacté parce que on savait pas vraiment, puis on décalait. Ah ouais. Mais après, bon, c'est pas. Ah, le pilote. Regarde le pilote en attendant. Tu vois pas ça, Turbo, mais tu vois, il y a un pilote devant nous, il s'appelle MC Holo. Ah. Et il nous fait une marche arrière. Lui, alors, il y a derrière, ouais, il y a Monsieur My Goodness qui lui coupe la route. Il est rentré dedans, fait que je m'en vais. Oui, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. C'est le temps de partir. Mais tu vois, ce MC Holo, il va falloir le prendre à la TLF, lui. Ouais, en intérim. Faut l'embaucher. Ouais, en intérim. Non, mais attendez, vous voulez rire, les gars, prenez-moi un intérim. Mais juste, je me suis trompé de quai. Fallait que je prenne celui d'à côté. Bon, bah allez, c'est bon. Allez. Mais comment on dit, un quai. Oh. Un quai d'Orsay. En plus, t'étais bien en plus pour l'autre quai. Bien sûr, mais moi je voulais aller à ce quai là, tu vois. Mais le chariste il m'a dit ouais, le 4, et bah voilà.
C'est ok. Jacouille, le retour. Ah, c'est dingue. Il s'arrêtera jamais. Ah non. Turbo, quand il est là, c'est toujours. Ça part tout de suite au Moyen-Âge. Non. Maintenant, t'es plus tout seul. T'as un compagnon de route maintenant. On est plus tout seul. T'es plus seul tout. Il y a une colo, c'est que t'es tellement devant que le futur il est derrière toi, quoi. Waouh. C'était joli. Ça c'est beau. Ça c'était beau. Incroyable.